Philippe Drummel, slameur, Catherine Charmant et ses voyageurs, Emmanuel Chollet, guitare, vous présente 1, 2, 3 albums et si l'on slamait. D'un mot qu'on sème en terre, il peut encore sortir un arbre. De cet arbre, des mots nouveaux par centaines, qui engendrent un arbre à paroles, qui engendrent un album. 3, 2, 1, 0, partez pour 1, 2, 3 albums. Voici le moment d'écouter une histoire qui nous invite à un voyage au fil des pages d'une belle aventure. C'est le moment de nos retrouvailles pour voyager dans le temps à la découverte de personnages, tous héros d'un ou de plusieurs mots. On découvre des pays réels, imaginaires, grâce à ces recueils qui captent l'intérêt de tous les lecteurs, acteurs et auditeurs. Des livrets, des carnets qui nous apportent de la joie et du rire avec ces personnages sortis tout droit d'un conte aux mille et une saveurs. C'est le moment de lire ces livres qui nous amènent à ressentir des émotions, des sentiments de joie, mais aussi de tristesse et de peur, toujours croissants pour apprendre. On bavarde, on parle, on discute, enfin, on s'exprime et on échange. Oui, voilà que nous réfléchissons grâce à un album qui nous montre des choses nouvelles, toujours surprenantes, haletantes. Mais aussi des photos, des images, des illustrations pour lecteurs et auditeurs qui deviennent tous très très sages. Ce sont des moments de lecture épicée qui soulèvent des questionnements sur notre plaisir à écouter, à bouquiner et à échanger en parlant de notre expérience, de notre vécu. Lire, c'est le bouleversement et ce qu'apporte la lecture, c'est l'émerveillement. 1, 2, 3, on lit, on a lu. 3, 2, 1, des albums, pas seulement écrits pour des petits bonhommes. Post-scriptum. Te souviens-tu, Marianne, dans ta robe de soie, du design d'électrique, du jardin de Baba et de la boucle d'oreille rose? C'est tout ce que la guerre déteste, grâce à Leïna et au seigneur des Amanites. Alors lisez-nous et parlons-en, car c'est la 18e et dernière saison.